Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de la brume d'eau cellulaire. Premièrement, l'eau cellulaire a été créée en 1999. C'est la première véritable eau de la peau. Première chose importante à savoir sur l'eau cellulaire, c'est un brevet mondial. Comme vous savez, tous les produits de Stederm sont brevetés, mais la plupart des brevets sont des brevets de 10 ans. Mais ce brevet-là, étant donné que c'est un brevet mondial, ça veut dire que la formule change aux 20 ans. Dans le fond, Estéderm possède le brevet d'eau cellulaire pour 20 ans. Donc, si la première fois que l'eau cellulaire a été créée en 1999, l'année dernière, l'eau cellulaire a été modifiée pour la première fois. Donc, c'est la deuxième version d'eau cellulaire que l'on a de Estéderm. L'eau cellulaire est faite sans colorant, sans conservateur et sans parfum. L'eau cellulaire est une eau sosie de l'eau déjà présente dans notre peau. Elle est idéalement dosée en sels minéraux et oligo-éléments pour lui apporter sa dose quotidienne d'énergie dont elle a besoin pour fonctionner au maximum de ses capacités et se maintenir chaque jour en pleine santé. Ça va venir booster vos cellules, donc ce que ça vient faire, c'est que ça vient créer un meilleur environnement pour vos cellules. L'eau cellulaire est faite à partir d'ingrédients biomimétiques, mais en plus, maintenant dans la nouvelle version, elle est enrichie d'acide hyaluronique. Ensuite de ça, quand ou comment utiliser l'eau cellulaire? C'est super simple. Vous l'utilisez matin et soir. C'est le premier produit qui touche à votre peau propre. Donc après votre nettoyage, c'est le premier produit que vous allez appliquer. Ensuite de ça, vous la mettez au réfrigérateur pour venir doper la micro-circulation. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Puis moi, c'est vraiment cette méthode-là que j'utilise parce que je trouve que ça fait vraiment toute une différence sur ma peau. Et aussi, vous pouvez fixer votre maquillage avec la brume d'eau cellulaire. Ok, maintenant, un conseil 101 qui est super important. C'est de l'eau cellulaire pour votre visage. C'est pas du spray net. Donc, qu'est-ce qu'on fait pas? On vient pas la brasser! Parce que vous allez briser le mécanisme à l'intérieur, puis ça c'est une bouteille qui est brisée justement. Je sais pas si vous l'entendez, mais elle flambe en neuf. Elle marche pas. Elle est brisée. Ensuite de ça, je vais vous parler des bienfaits de l'eau cellulaire sur votre peau. Première chose, ça va venir énergiser votre peau. Deuxième point, ça l'augmente de 95 à 100% l'efficacité des soins que vous allez mettre par la suite sur votre peau. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau cellulaire, ce qu'elle va venir faire sur votre peau, c'est qu'elle va venir faire un effet d'aspirateur d'actif. Donc, tous les produits que vous allez mettre par la suite sur votre peau vont être encore plus performants. Tous vos soins sont meilleurs après. Gardez ça en tête. Quand vous prenez l'eau cellulaire, tout vos soins, tous les produits que vous allez mettre par la suite sur votre peau vont être encore plus efficaces. Puis c'est ça qu'on veut entre vous et moi. On veut le maximum d'efficacité quand on utilise nos produits cosmétiques parce qu'on les paye puis on veut que ça marche. Donc, ce produit-là, c'est pas le produit le plus dispendieux à faire dans vos routines. Puis c'est pas le plus long, ok? Je vous le dis, ça prend 2 secondes. Ce que vous venez faire, c'est vous l'appliquez en S, vous le faites pénétrer puis that's it. C'est pas plus compliqué que ça. Ça prend pas 5 minutes. Ça prend 15 secondes. Voyez-le pas comme une étape de plus que ça va prendre plus de temps. Au contraire, ça va prendre le même nombre de temps, mais vous allez avoir 95 à 100% de plus d'efficacité de vos soins après. Voyez-le comme ça. C'est le premier vecteur jeunesse. Donc, si vous voulez travailler au niveau de la jeunesse de votre peau, c'est la première chose à faire. C'est un produit qui est anti-radicalaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des radicaux libres dans l'air qui viennent faire vieillir notre peau. On le voit pas encore, mais ça fait l'effet à tous les jours de notre vie. Donc ça, ce que ça vient faire, c'est que ça vient contrecarrer l'effet des radicaux libres. C'est aussi enrichi d'acide hyaluronique. Donc ce que ça vient faire, c'est que ça vient garder l'eau dans votre peau. Je l'ai déjà dit, mais ça mime l'eau de votre peau. Donc c'est compatible avec vous, ayez pas peur de ce produit-là. Ensuite de ça, l'eau cellulaire a un pH similaire au pH de votre peau. C'est la raison pourquoi le produit va mieux pénétrer dans votre peau étant donné que le pH est similaire à vous. Maintenant, il faut que je fasse un comparatif avec les eaux thermales qu'il y a sur le marché. Bien, premièrement, ça se compare pas. Je peux pas comparer une eau thermale avec de l'eau cellulaire parce que ça se compare même pas, c'est pas du tout le même produit.
Pourquoi? Parce que les eaux thermales vont avoir des pH très élevés et vont rester à la surface de votre peau. Ça n'aura pas l'effet que l'eau cellulaire va vous apporter, loin de là. Jamais que vous allez avoir le même effet avec l'eau cellulaire, contrairement à une eau thermale. Dernière chose que je voulais vous dire, tous les produits d'Estéderm sont faits à base de cette eau-là. Si vous comprenez, ça veut dire que tous les produits d'Estéderm sont actifs à 100% étant donné que nous avons une eau active dans nos produits, plus des ingrédients actifs. Donc les produits, c'est pour ça qu'ils fonctionnent. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu plus l'eau cellulaire, à quoi ça sert, puis aussi pourquoi je suis obsédée avec ce produit-là. Ce que vous devriez retenir de cette vidéo-là, c'est que vos produits sont 95 à 100% plus efficaces quand vous utilisez l'eau cellulaire. Puis j'espère que vous allez l'essayer, ou si vous l'avez déjà, j'espère que vous allez mieux le comprendre et continuer de l'utiliser. Voyez-le pas comme une étape de plus, mais comme un bonus pour votre peau. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye, à la prochaine. Ah, on est jusqu'à là. Elle est faite à partir d'ingrédients. Ok. Donc, pourquoi pas l'utiliser?